J'ai intitulé cette vidéo Des variations à gogo. On va décrire les variations des fonctions suivantes. F de x égale moins 2x plus 13. Qu'est-ce que c'est comme fonction? Vous la devinez? Ax plus b, fonction affine. Et le a est négatif. C'est dans la poche. F est strictement décroissante. Sur R, bien sûr. C'est le cours. Pour le g, pareil, ax plus b. A, c'est combien? Un demi, toujours positif. Donc G est strictement croissante sur R. L, AX plus B. Le A, c'est un peu subtil. Ça, c'est le nombre qui multiplie X. Est-ce que ce nombre est positif ou négatif? Vérifiez à la calculette que la racine de 5 est plus petit que 3. C'est 2, quelque chose. Autrement dit, ce a est négatif. Conclusion, L est strictement décroissante sur R. J. Moins 7x moins 5 sur 3. Si on écrit correctement, c'est-à-dire sous forme ax plus b, ça s'écrit moins 7 tiers x moins 5 tiers. A est négatif. J est strictement décroissante sur R. Qu'est-ce qu'on veut avec la fonction m? Parce qu'elle n'est pas du tout potable. Regardez comme c'est facile les autres. Donc ça nous incite à développer avec bien sûr les identités remarquables. A plus b au carré, 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 3, et plus 3 au carré. Ça c'est pour la première chose. Moins, allez je vais écrire ici, moins, je développe ça. A moins b au carré. 5 au carré, moins 2 fois 5 fois 2x, et plus 2x au carré. Bien. Égal 2x au carré, 2x fois 2x, 4x carré. Plus 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2 fois 3, 12, 12x, plus 3 au carré, 9. Moins, allez, d'abord je fais les calculs entre parenthèses. 5 au carré, 25. Moins 2 fois 5 fois 2, 20. 20x. Plus 2x fois 2x, 4x carré. Égal 4x carré plus 12x plus 9. Et j'ouvre cette parenthèse. Je rappelle, je change les signes de tous ces trois termes. 25 devient moins 25, plus 20x et moins 4x carré. Maintenant, je réduis 4x carré moins 4x carré, terme opposé, ça s'annule. Qu'est-ce qui reste? 2x plus 20x, 32x, plus 9 moins 25, moins 16. Waouh! Donc, m, c'est rien d'autre qu'une fonction affine et le coefficient A est positif. M est donc strictement croissante sur R.